Hello, hello, bienvenue dans le monde du Seben, donc la famille. Aujourd'hui, nous continuons à travailler et je vais faire le tutoriel par rapport au top des commentaires que j'ai reçus. Donc, le Seben qui donne ça. On va travailler, c'est pas compliqué, nous sommes dans la tonalité de La majeur, ok? Donc, nous sommes dans la tonalité de La majeur, ok? Donc, c'est une progression d'accord 1, 4, 5, 4, et nous revenons sur le premier accord, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Il y a un renversement de l'accord de La. Okay, ça s'appelle le deuxième renversement de l'accord de La. Voici le premier renversement et ça, c'est le deuxième renversement. Donc, ça fait. Et on arpège juste. C'est un arpège simple. Ensuite, nous venons sur l'accord de Ré majeur. Sauf que cette fois-ci aussi, on va faire l'arpège. Okay? Le quatrième degré, c'est le Ré. On supprime le cinquième degré et on joue seulement avec le premier, troisième degré et l'octave. Ensuite, pour l'accord de Mi, au lieu de jouer l'accord directement, on fait. Donc. Ok. Donc. Ça tourne en boucle. Ensuite, quand on arrive ici, on fait. OK. OK, vous pouvez. Vraiment, c'est pas compliqué. Donc, regardez le doigté. Ou bien, comme vous voulez. Ok. Donc, si, do dièse, si, la, fa dièse, sol dièse. Fa dièse, mi, si. Et en fait, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça tourne en boucle. Alors ici, je vous ai pris une petite guitare basse simple. Donc comme vous le savez, ici, nous avons le premier degré. Premier degré. Alors ici, ce que je joue. Alors, dans la guitare, ce que je fais, si on peut le faire comme une guitare basse ici, je joue le premier degré. Maintenant, pour ce qui concerne ici, pour le premier degré, je fais juste un petit truc. OK. Ici, au lieu de jouer le deuxième degré, le quatrième degré plutôt, je joue sa tierce, qui est le troisième degré. Ok, je joue la tierce. Au lieu de jouer, je peux faire. Voilà. Au lieu de jouer le premier degré du quatrième degré, je joue sa tierce. C'est-à-dire, si nous sommes en Ré, parce que Ré est majeur en La, premier, deuxième, troisième degré. Donc, je joue sa tierce. Ici, je joue le premier degré du cinquième. Ok, je joue la tonique du cinquième. Et je tourne là. C'est vraiment pas compliqué. C'est comme ça que vous pouvez jouer hein, une progression 2, 5, 2, 4, une progression 1, 4, d'accord, 1, 4, 5, 4. Tu peux faire ça. Premier degré, tierce quatrième, tonique cinquième,
tierce quatrième, premier degré, tierce quatrième, tonique cinquième, tierce quatrième, et c'est tout. Donc, comme j'ai toujours dit, pour travailler la main gauche, on est sûr d'avoir déjà la mélodie de la main droite en tête. Donc ça va faire pa da pa pa da da pa do da pa pa da do da pa do da pa do da pa do do pa do do pa pa do pa 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 da do pa da do da pa da 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 pa da da do da pa da pa da pa pa da do pa 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 do da pa do pa. Ça te permet de savoir à quel niveau tu peux commencer à mettre ta main droite. Ça travaille déjà ton indépendance au niveau de l'esprit, parce qu'on dit en réalité dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. On y va. Donc ça fait. Donc là, ici, pour le ré, la différence c'est ici, regarde. Donc, 1, 2, 3. Ensemble, 1, 2 et 3 ensemble, et on fait ok. Donc tous les restes ici, ça reste sur mi. Lentement. Ok, c'est-à-dire là, je vais reprendre. Maintenant qu'on arrive ici, au lieu de revenir normalement, faire le. On fait. Et on part directement. Ok, donc je reprends. On est là. Ok. Voilà, donc on rajoute la batterie, ça va donner un truc de ce genre. On y va. Donc c'est pas compliqué, tu peux faire. C'est pas grave. Ça vous permet de travailler les cinq doigts de la main droite, ok? Donc j'espère que ça vous cette vidéo vous fera plaisir, la famille. N'hésitez pas surtout de liker, de partager, de vous abonner si c'est pour la première fois que vous regardez la vidéo. Surtout la famille, partagez, 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 partagez. Laissez des commentaires et on se voit à très bientôt.